Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo très très importante. Cette maman m'a demandé de diffuser cette vidéo sur internet pour essayer de retrouver son fils à Grenoble. Alors oui, j'ai déjà trouvé plusieurs choses grâce à mes vidéos, ma voiture qui a été volée, bref, plusieurs choses, on s'en fout. Bref, en tout cas, cette maman cherche son fils et elle va vous expliquer un petit peu. Alors, on va diffuser les photos parce que bon, elle est allée voir malheureusement la police, mais la police, comme vous savez, souvent pour rechercher une personne disparue, c'est 48 heures. Et là, ils ont diffusé, donc comme la maman me le dit, son prénom, mais pas encore sa photo. Donc forcément, avec un prénom, on peut rien faire. On peut pas savoir comment s'appelle telle ou telle personne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sa photo. Donc vous pouvez expliquer un petit peu aux abonnés peut-être ce qui s'est passé, la police, ce qu'ils ont fait, et alors, surtout sa photo. La police a diffusé son nom, son prénom, c'est tout. Je les ai appelés, là ils vont voir avec ses copains, j'ai appelé ses copains, tous ses copains. J'ai donné le numéro de son meilleur ami. Son meilleur ami l'a vu à 4h30 prendre le tram. Et puis de là, plus rien. J'ai rappelé encore la police pour leur dire tout ça. Ils m'ont dit oui, on va s'en occuper et tout. J'ai appelé les hôpitaux, il n'y a personne, il n'est pas. J'ai tout fait. J'ai cherché un peu de partout. Donc voilà, cette maman est venue me voir tout à l'heure. J'étais à la fête foraine avec Malek et tout, avec mes potes. Elle est venue me voir, elle m'a dit: mon fils, il vous aime beaucoup, faut que vous m'aidez à le retrouver, faut que vous fassiez une diffusion pour qu'on retrouve mon fils. Donc je vais vous afficher, donc si vous avez sa photo, je vais la montrer aux abonnés. Et comme ça, elle sera... la vidéo est lancée le plus vite possible. Comme ça, bah, s'il y en a qui le voient, s'il y en a qui le voient, la famille, vraiment, je compte sur vous. S'il y en a qui l'ont chez eux, je compte sur vous. Il s'appelle même... Nels. Il a 13 ans et demi. Voilà. Donc Nels, s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, sérieusement, viens voir ta mère et je viendrai te voir avec Momo, il n'y a pas de problème. On va venir un petit peu si tu as besoin un petit peu de parler avec nous, si tu as besoin de rester un peu avec nous, c'est pas un problème, d'accord? Mais fais attention en tout cas, ces gens-là qui te demandent, des fois ça se trouve, tu as été juste manipulé par d'autres personnes pour rester dehors ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, comme tu vois, ta mère elle s'inquiète frère et elle pleure beaucoup. Donc, en compte, ta mère frère elle est venue à la foire pour me chercher carrément. Elle est venue carrément me chercher à la foire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour qu'on essaye de te retrouver. Donc, ça serait vraiment cool que tu donnes des nouvelles à ta mère. Et après, avec ta mère, je vais essayer de prendre son numéro de téléphone. Et on va essayer de rester en contact. Comme ça, quand tu reviens chez ta mère, on se voit. D'accord? Je compte sur toi, frérot. Ça serait vraiment bien que tu fasses ça pour ta mère. Et donc, du coup, il a disparu vers où? Vous habitez vers où? Vous voyez Chirol? Fontaine. Fontaine, ouais. Donc, les mères de Fontaine, je compte sur vous, les frérots. Les petites Fontaines et tout, je compte sur vous, là, les frérots. Dites-moi si vous le voyez quelque part ou si vous l'avez vu quelque part dans cette vidéo. Je compte sur vous. Les Grenoblois, surtout les gens du 38, partagez un maximum cette vidéo. Et surtout la photo sur Instagram, Snapchat. Si je peux vous inviter juste à partager, on s'en bat les cacahuètes de la photo, de la vidéo. Partagez sa photo au maximum. Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, peu importe. Partagez au maximum sa photo. La vidéo, on s'en fout. La photo au maximum, vous la partagez. À droite, à gauche, Fontaine, Grenoble. Momo, je crois que tu connais des Snapchatters, toi, de Grenoble et des Chirol, toi. Des Snapchatters un petit peu à droite, à gauche, non? Ouais, vite fait. Ouais, donc ce serait vraiment bien, ces Snapchatters-là de Grenoble, que vous leur partagez la photo de Nels, le petit, et qu'au moins, ils partagent sa photo au maximum. Comme j'ai dit, la vidéo, peu importe, c'est surtout la photo du petit qu'il faut partager au maximum. Je compte sur vous, et puis on vous tient au courant avec la maman si on a des nouvelles, d'accord? Donc il a disparu depuis 4 heures, vous m'avez dit ça? Depuis 3 heures. Depuis 3 heures. Donc voilà. En tout cas, on va essayer de le retrouver. On se tient au jus, la famille. Et puis voilà, j'ai fait cette vidéo rapidement. Elle ne devait même pas sortir. C'était même pas prévu. En tout cas, voilà. Je vous balance cette vidéo rapidement. S'il y en a qui le voient à Fontaine ou s'il y en a qui l'ont vu, s'il y en a qui traînent un petit peu à Fontaine à droite à gauche, jetez un petit coup d'œil, on ne sait jamais, d'accord? Et si vraiment il y en a qui l'ont chez eux et que vous regardez cette vidéo, franchement, hey, réfléchissez 2 secondes. Il y a sa mère qui s'inquiète pour lui. Donc dites-lui, écoute, il y a GameX13, il a fait une vidéo. Ta mère, elle te cherche. Un minimum, d'accord? Je compte sur vous, la famille. Salam tout le monde.